Alors, on m'avait dit, si tu viens à Cittanova, n'oublie pas d'aller voir Milan Bragia, qui est un peintre renommé. Donc, je suis passé par là et je n'ai pu résister à l'envie de venir le saluer. Et au regard de ses toiles, je ressens un peu de cette ambiance toscane, un peu de Provence, moi qui suis un voyageur. Milan, bonjour. Alors, je regarde vos toiles et je leur trouve une inspiration très toscane, méditerranéenne, provençale. Est-ce que je me trompe? Inspiracija mi je ista. Istarska zemlja, pučka arhitektura, crvena zemlja, sve. Pošto je Istra i Toskana i mediteranske zemlje, istalo je sličnost. Jedna veza postavila se u slikama. Alors, il me dit qu'effectivement, son inspiration, c'est l'Istrie, région méditerranéenne, et qu'il retrouve dans l'Istrie cette même végétation, cette même lumière, cette même architecture qu'en Provence et en Toscane. Milan, cette maison est construite en très belle pierre d'Istria, comme beaucoup de palais vénitiens d'ailleurs, et lorsque je regarde certaines de vos toiles, j'ai l'impression de retrouver un peu de cette matière. Est-ce que je me trompe? Istarski kamen je čist. Ja iskorištavam onaj kamen koji je do zemlje da dobim tu smeđu boju koju ja isto upotrebljavam na sliti. Kamen slika Istra. Alors habituellement cette pierre elle est polie, elle est blonde. Lui il a gardé naturel. Il a retrouvé comme ça les ocres et les rouges de cette terre d'Istrie, source de son inspiration.